Salut à toutes, c'est à tous, c'est Tiwa99, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un petit tutoriel, sur comment avoir le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Donc une image apparaît juste là de quel type bouton c'est. Donc tout simple, vous allez vous rendre sur Google. Donc et marquer tout simplement ça, donc s'abonner. Vous allez dans images et là donc je vais vous expliquer, c'est très important, donc vous n'allez pas juste glisser votre photo comme ça. En fait il va falloir vraiment cliquer dessus et là vous voyez les petits carrés là derrière. Donc là si on glisse on voit qu'il n'y a que le s'abonner qui part, donc c'est très important de faire ça. Puis ensuite vous choisissez lequel vous voulez. Comme je vous ai dit qu'on peut prendre que le ce qu'on veut, donc pas de blanc avec derrière comme ceci, donc comme ça. Puis ensuite vous prenez ce que vous voulez. Ça non, par exemple on va prendre ça, on pourrait ça pègue un peu là, par exemple on va prendre ça, on va essayer ensuite essayer pour les dimensions. Donc une fois que vous avez votre image vous allez cliquer sur votre nom là-haut. Hop, Creator Studio. Une fois arrivé ici, on va aller dans chaîne et branding. Juste là. Et là, on va mettre supprimer. Voilà. Alors ajouter, vous ce sera marqué ajouter un watermark. Vous allez mettre choisissez un fichier. Et vous allez prendre votre image sélectionnée juste avant. Donc moi elle est là. Voilà, on peut la voir. Donc là, ils nous disent bien à ne pas avoir quelque chose comme ça, avec une couleur, ni une couleur sur rien du tout. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, il faut pas. Ah non, qu'est-ce que je dis? Il faut pas avoir un cadre derrière. Voilà. C'est ça, faut pas avoir quelque chose derrière. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que ce soit seul. Comme ceci. Regardez, là, il n'y a que le s'abonner. Comparé à. Par exemple là il y a du blanc derrière. Donc enregistrer, ça nous donnera ça après sur la vidéo, donc c'est pas hyper grand mais on va voir après. Donc enregistrer et là on met à combien de temps on veut qu'il parte. Donc moi je mets 12 à la fin de mon introduction, s'il vous plaît. 12, d'accord, 12. Et mettre à jour. Et là donc, maintenant, on va se rendre sur une vidéo à moi. Donc, par exemple, ça. On coupe le son. Là, on voit qu'il n'y a toujours rien. Vu que j'ai dit 12. Donc, on va attendre 12 secondes. Attention. Et là, vous voyez qu'il est juste là en bas. Donc, on peut cliquer dessus. Ça nous emmène sur ma chaîne. Donc, franchement... je trouve que c'est pas mal. Je pense même que je vais laisser celui-là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas après vous pouvez mettre abonnez-vous, voilà, papa. Après voilà, ou vous pouvez aussi vous en créer un personnel sur Photoshop, sur quelque chose comme ça, quelque chose qui est unique, ça pourrait être vraiment bien. Et ensuite bah, peut-être non. Bon, bref, voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, un petit partage et un commentaire. Et pourquoi pas vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.